En bref, aujourd'hui, on va reparler colonisation. Enfin, pas que, parce qu'on a déjà vu comment et pourquoi un peuple pouvait décider d'en coloniser un autre. On n'a pas vraiment parlé de l'impact que ça pouvait avoir sur le peuple colonisé. Du coup, on va prendre un exemple un peu extrême que tout le monde connaît pas vraiment bien, le Rwanda. Enfin bref. L'histoire du Rwanda, c'est un peu l'histoire de tous les autres pays africains, mais puissance 1000. Bon, le souci avec la plupart des pays d'Afrique précoloniale, c'est qu'on n'a pas énormément d'écrits qui décrivent le fonctionnement de tout le bousin. Mais bon, pour expliquer un des plus gros soucis de l'Afrique, il n'y a qu'à regarder une carte. On est d'accord que des frontières droites comme ça, c'est pas normal. Il n'y a qu'à comparer avec l'Europe. Un des seuls pays avec des lignes bien droites qui me viennent en tête, c'est les États-Unis. En fait, l'Afrique s'est plus ou moins découpée de la même manière. Les pays colonisateurs ont simplement pris une carte et tracé des lignes pour délimiter leurs différentes colonies. Le truc, c'est que des peuples qui n'avaient rien à voir se sont retrouvés ensemble dans le même pays. D'autres se sont retrouvés séparés. On va dire que ça aide pas trop pour se créer une identité, quoi. De ce côté-là, le Rwanda s'en sort pas trop mal. Avant le 10e siècle, on n'a pas grand-chose. On sait juste que des mecs sont venus s'installer sur le territoire entre le 5e et le 14e siècle pour former un royaume qui durera jusqu'à la colonisation. On peut diviser les habitants de ce royaume en trois groupes. Les Hutus, des agriculteurs, les Tutsis, des éleveurs, et les Twa, des chasseurs-cueilleurs. Ceux-là sont pas vraiment importants dans notre histoire. On va surtout se focaliser sur les Hutus et les Tutsis ici. Les deux groupes ne sont pas originaires du même coin, mais c'est plus une différence sociale qu'autre chose qui se crée. Les éleveurs sont plus riches que les agriculteurs et forment un genre de haute société. Mais rien n'empêche un Hutu de s'enrichir et de monter socialement. Mais pas d'accéder au pouvoir. Les Tutsis sont sur un modèle pastoral, et pour mieux organiser leurs terres et gérer leurs élevages, ils commencent rapidement à contrôler la répartition des populations sur le territoire. Les Hutus, eux, bah, on l'a déjà dit, sont des agriculteurs. Du coup, plus de bras pour s'occuper de la terre, c'est mieux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un écart assez énorme dans le pourcentage des différentes populations. Mais tout le monde partage la même langue, la même culture, c'est surtout un genre d'organisation féodale avec les nobles en haut et les paysans en bas. Le royaume s'étend sur le Rwanda, le Congo et l'Ouganda actuels. Et ça a duré comme ça pendant près de 1000 ans. Mais en 1894, le comte Gustav Adolf von Goetzen, qui vous l'aurez deviné est allemand, débarque avec un peu plus de 600 soldats et fait du royaume une colonie. Du coup, le Rwanda est exploité comme n'importe quelle autre colonie, rien de spécial à déclarer vraiment. Sauf qu'en Europe, il se passe des trucs. Et pas rien en plus. La Première Guerre mondiale, que l'Allemagne perd. Suite à ça, les dirigeants des pays vainqueurs se réunissent pour se répartir les colonies allemandes et en 1919, la Belgique hérite du Rwanda pour le transformer en protectorat en 1922. En gros, ça leur appartient, mais pas vraiment. On est en pleine période coloniale, et c'est la grande mode de trier tout le monde. Du coup, on différencie et hiérarchise les races de gens, parce que bon, s'ils sont différents, c'est qu'il doit bien y avoir un truc. La vraie réponse, c'est non. Hein. Bon, du coup, à grand renfort de mesures de crâne, de nez, et en se servant des différenciations sociales qui étaient déjà en place à l'époque, les ethnologues belges en arrivent à la conclusion que les Tutsis sont supérieurs aux Hutus, et leur délègue la direction du pays. Dans la base, la société rwandaise était déjà pas mal divisée entre Hutus et Tutsis, avec les Tutsis, plus riches mais minoritaires, en haut, et les Hutus, qui composent 80% de la population, en bas. Et là, d'un coup, on leur donne une pseudo-justification scientifique de la supériorité des Tutsis. Vous imaginez un peu le somme des Hutus? On commence à avoir des épisodes de violence un peu partout, et quand la Belgique donne son indépendance au Rwanda en 62, les Hutus entendent bien avoir leur mot à dire dans la direction du pays. Ça faisait presque 1000 ans que tout tournait sur un modèle féodal, et d'un coup, bim, démocratie. Sauf que le changement est radical, on passe de 80% de la population non représentée à un truc où tout le monde a son mot à dire. Ça fout un sacré sbeul. Il en faut souvent moins aux gens pour se foutre sur la tronche. Rappelez-vous l'épisode sur la Saint-Barthélemy. Là, c'est presque la moitié de la population Tutsi qui se voit obligée de s'exiler dans les pays voisins. Soit presque 300 000 personnes qui ont interdiction de revenir sur leur terre natale. Et c'est sans compter les 20 000 morts dus aux émeutes ou aux massacres organisés. Dans le reste du monde, on voit ça comme un soulèvement populaire, soudain, dû à l'indépendance du pays. Ça fait un moment que ça couve. Bon, vous vous doutez bien qu'à partir de là, l'ambiance est un peu tendue sur place. Hein, et les Tutsis restants subissent une ségrégation assez violente. En 1987, des exilés Tutsis en Ouganda forment le Front Patriotique Rwandais. Avec la fin de la guerre froide, des armes circulent un peu partout en Afrique et ils se militarisent assez rapidement. En 90, ils lancent une première attaque sur la frontière rwandaise pour essayer de reprendre le pays. Là, c'est la guerre civile totale, qui sera réprimée assez brutalement par l'armée rwandaise. Le gouvernement en place se sert de ça comme prétexte pour être encore plus dur vis-à-vis des Tutsis qui habitent encore le pays. Un système de propagande assez virulente est mis en place via l'éducation et la radio, histoire de bien faire rentrer dans la tête des gens que les Tutsis sont responsables de tous les soucis du pays. Enfin, je reste soft, hein, les mecs sont beaucoup plus hardcore dans leur message. On met aussi en place un système de carte d'identité ethnique, où est affichée l'ethnie, Hutu ou Tutsi, à laquelle appartient le porteur. On limite les quotas de Tutsis présents dans les écoles et les entreprises, et en parallèle, le gouvernement rwandais crée l'Interahamwe, une milice ultra-violente. Faut savoir que le pays était une dictature aussi. Au début des années 90, la France fout un peu la pression pour que d'autres partis politiques puissent se créer.
mais ça déstabilise plus le pays qu'autre chose. Différents partis vont effectivement se créer, chaque clan se rallie d'un côté ou d'un autre, et encore plus de divisions se créent entre Hutu et Tutsi. Et intégrer des Tutsi au gouvernement, ça plaît vraiment pas à la plupart des dirigeants déjà au pouvoir. Bon, c'est maintenant que ça part vraiment en sucette, genre c'était pas déjà le zbeul avant. Le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana, où se trouve aussi le président du Burundi Cyprien Ntaryamira, est abattu par un tir de missile. On accuse direct les Tutsi. Alors que concrètement, aujourd'hui, on est toujours pas sûr à 100% de ce qui s'est vraiment passé. Et là, on n'utilise plus le mot massacre, mais génocide. Environ 10 000 personnes meurent tous les jours jusqu'au 4 juillet de la même année. La France et l'ONU interviennent pour mettre un terme à ce bordel, et au total, c'est plus d'un million de personnes qui sont tuées. Pourquoi ? Parce que des mecs 60 ans plus tôt ont décidé, avec une science totalement pétée, que certains étaient supérieurs à d'autres. Parce qu'on a décidé de changer toute l'organisation politique d'un pays parce qu'on trouvait pas ça très réglo. Y a pas vraiment de gentil ou de méchant dans cette histoire. Il y en a jamais en fait. Surtout une accumulation de pression et de conneries qui ont conduit à un des pires événements du XXe siècle. Et c'est assez effrayant de voir à quel point c'est facile d'embrigader autant de gens dans un truc aussi glauque. Tout ça pour dire soyez pas cons. On peut jamais blâmer tout un groupe de mecs pour un truc qui nous arrive à nous. Enfin bref.